Qui n'en peut plus des violences policières, à tel point que d'après un sondage récent, plus de la moitié des Français soutient cette mobilisation, rejetant cette idée que les jeunes des quartiers seraient à peu près tous des voyous, des casseurs ou des dealers. Aujourd'hui, plus personne n'a oublié les violences d'État perpétrées dans un passé récent contre les gilets jaunes, les syndicalistes et même les infirmières, dont on découvre bien tardivement leur irremplaçable utilité sociale. Dans tous les cas, plus que de violences policières, nous préférons parler de violences d'État, décidées et couvertes au plus haut sommet de l'édifice républicain. Arrêt des contrôles aux faciès, justice pour Adama et pour toutes les victimes des bavures policières. Sans justice, pas de paix. Je vous remercie.